Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ici sur cette page avec la délicieuse et merveilleuse Carole Pluriel. Alors Pluriel, elle va vous en parler un petit peu. Pourquoi Carole ce soir? Eh bien parce que j'avais envie de parler un peu de féminité dans ce monde de brutes et de choses qui sont super intéressantes de savoir pour nous les femmes et peut-être aussi pour les hommes pour accompagner leur conjointe ou leur fille ou leur mère éventuellement. Tout est possible, quel que soit l'âge. Et Carole, c'est une mine de connaissances sur tout ce domaine-là et bien plus encore. Donc je vais lui laisser le temps de se présenter juste après. Et quand vous arrivez sur le direct, je vous invite à nous faire un petit coucou. Nous dire si vous nous voyez, si vous nous entendez et si tout est OK pour vous. Et bien, j'ai envie de dire, on va bientôt commencer. D'abord, Carole, comment vas-tu ce soir et merci de ta présence. Je t'en prie, bonsoir Mathilde. Écoute, je vais très bien. Je suis ravie d'être là ce soir dans l'attente de participer à cet événement que tu organises. Le pouvoir d'être soi et qui me parle tellement. Voilà, donc ravie d'être là et de pouvoir répondre à tes questions. Bah, je te remercie déjà d'avoir accepté d'être présente. Alors, attention, il va y avoir un écho. Voilà. Je te remercie d'être présente pour cet événement dont on va parler un peu plus tard dans cette interview qu'on va faire ensemble. Mais aussi, merci d'être présente pour toutes les femmes en soi, pour les accompagner vers leur pouvoir intérieur, parce que ben, c'est un petit peu ton job. D'ailleurs, qui est Carole Rousseau? Eh bien, écoute, Carole Rousseau, c'est la créatrice de Pluriel créée il y a 2 ans. Et Pluriel a pour mission, comme tu viens de le dire en quelques mots, d'accompagner les femmes à faire alliance avec leur corps pour prendre leur place, développer leur leadership. Et pourquoi, en fait, cette mission, parce que c'est une découverte que j'ai fait assez tardivement. Pour tout dire, il y a 5 ans, où j'ai fait une grande découverte qui a changé ma vie. Et donc, quand j'ai pris conscience que parce que j'étais une femme et que physiologiquement je fonctionnais différemment des hommes, j'avais accès à des ressources un peu différentes, ou en tout cas à des moments différents, avec des énergies fluctuantes. Et c'est quelque chose sur lequel je n'avais jamais mis de conscience. Et comme sans doute comme beaucoup de femmes que j'avais écartées parce que de par mon éducation, de par mon job, je travaille encore dans le milieu de la banque. Et pour moi, la performance a toujours été associée à la linéarité. Et quelque part, me connecter à ma part de féminin était plutôt un handicap, plutôt quelque chose à oublier pour être comme mes collègues, puisque j'ai beaucoup travaillé très longtemps qu'avec des hommes. Et donc, voilà, donc pas de conscience sur ce sujet. Et avec le temps, de plus en plus de challenges, de difficultés à gérer tout ce que j'avais décidé de gérer. Et donc une grande découverte pour moi d'apprendre comment je fonctionnais physiologiquement, pourquoi j'avais des variations d'énergie qui s'expliquent tout simplement c'est scientifique. Prendre conscience des freins sociétaux, religieux, enfin tous ces biais cognitifs que nous avons, toutes ces croyances limitantes autour du danger ou du handicap que pouvaient représenter ces fluctuations d'énergie féminine. Et ajoute, voilà. Et donc cette découverte, quand je l'ai faite, je me suis dit waouh, mais oh! Parce que moi je l'ai fait très tardivement, à l'aube de mes 50 ans. Et donc je me suis dit, mais ça, si j'avais su ça à 40, et si j'avais su ça à 30, et à 20, et à 15, ça aurait changé ma vie.
Et donc voilà, donc je suis partie en me disant, voilà, ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie. C'est vraiment ça, c'est faire découvrir aux femmes l'importance de leur spécificité physiologique et poser un autre regard sur cela, mettre de la conscience, apprendre à se connaître et après le mettre à son service, au service de ses projets, qu'ils soient perso ou pro. Voilà. Et Et donc de fil en ouais. vas-y, vas-y, continue. De fil en aiguille, de fil en aiguille. Au début, je me suis dit, parce que la première personne qui m'a inspirée sur ce sujet, ça a été une rencontre avec des femmes qui m'ont amené à un cercle. Et on m'a parlé de Miranda Gray, qui est une Anglaise, qui a à peu près mon âge et qui, depuis maintenant, combien? 9 ans? Enfin, qui est impliquée, qui est coach, qui accompagne des femmes depuis beaucoup plus longtemps, mais qui a lancé un grand mouvement qui s'appelle la Worldwide Womb Blessing et qui aujourd'hui, à 5 temps forts dans l'année, regroupe plusieurs centaines de milliers de femmes, entre 250 à 300 000 femmes à distance, dans des cercles de méditation, de partage. Et cette femme a écrit plusieurs livres, dont un livre qui était mon livre de chevet. Qui s'appelle La femme optimale. Et voilà, et c'est là où j'ai découvert que ben, mon cycle menstruel, je pouvais le mettre au service de mes projets et de ma découverte de moi. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer et après je me suis formée pour. Et ce qui m'a amenée à devenir ambassadrice Kiff ton cycle, puisque pendant mon cheminement, une de mes premières évidences c'était de dire oh, mais toutes les jeunes filles de mon entourage puisque je suis mère mais plutôt de garçon mais j'ai trois belles filles c'était de leur faire découvrir cela et c'était pas facile pour moi de communiquer auprès d'elles et elles ne semblaient pas forcément super intéressées par la super découverte que j'avais à leur faire, à leur partager. Et donc, et c'est là où on m'a dit, ah, mais il y a une nana super qui a créé Kiff ton cycle avec une formation en ligne, etc. Va voir, elle propose de communiquer avec des mots très, très simples sur justement les différentes phases du cycle. Et donc, il s'agissait de Gaëlle Baldassari, et c'est comme ça que l'aventure a commencé avec Gaëlle. Et sachant qu'à Gaëlle, on a plusieurs points communs, parce que bon, Gaëlle, c'est aussi une banquière à l'origine, et qui a une fille, et qui, à la naissance de sa fille, s'est promis qu'au jour des 18 ans de sa fille, le monde aurait changé, qu'il n'y aurait plus de tabou autour du cycle menstruel, autour des règles, et que la connaissance physiologique autour du fonctionnement normal de notre physiologie et les pathologies qui sont autour soient beaucoup mieux connues, partagées par le monde médical qui est d'une grande, pour la majorité d'entre eux, d'une grande ignorance et parce que ça ne leur est pas enseigné, tout simplement. Et donc voilà, donc je collabore avec Gaëlle maintenant depuis 2 ans et demi. Voilà. Et donc, c'est pourquoi j'organise des ateliers en tant qu'ambassadrice, des ateliers Kiff ton cycle. Voilà Il y ce a un que je peux décalage. dire, Mathilde. Ok. Dis-moi, concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes de résultats dans ta vie si on devait faire un avant-après cette découverte? Oh, vaste sujet. Écoute, je pourrais presque dire tout, tout, vraiment tout. Écoute, comme je l'ai dit, j'ai découvert ça un peu tardivement dans ma vie. Ça m'a donné l'audace de faire plein de choses, de penser que je pouvais. Changer de vie à 50 ans, à l'heure où bien souvent la société pose un regard beaucoup, enfin très, ou, enfin, en tout
père pense que il est plus temps de faire grand-chose à 50 ans. Donc, j'ai changé de vie, de lieu de vie, de métier, enfin, de société. Et puis, voilà, ça m'a donné envie de me former pour accompagner les autres, de créer Pluriel et de faire des choses que j'avais jamais fait avant, de me remettre en chemin pour apprendre, continuer à apprendre, pouvoir ainsi mieux accompagner les autres. Et puis aussi, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé aussi mon objectif d'accompagner les femmes et les hommes sur cette découverte m'a aussi amené à donner envie de faire passer ce message dans le milieu dans lequel je travaille encore un peu, dans lequel je travaille encore. Et en fait, c'est transmettre cette découverte à mes consoeurs, qui sont très nombreuses dans le milieu bancaire. Et donc, voilà, je pense que je ne les croise pas beaucoup dans les différents ateliers, cercles, groupes de réflexion auxquels je participe sur ces sujets, le pouvoir d'être soi, ou en tout cas sur les énergies féminines. Et j'ai la conviction que c'est vraiment quelque chose qui peut faire bouger les lignes dans ce secteur d'activité et ouvrir à plus de diversité et d'intégration. Voilà. Alors, j'entends ce que tu dis. Je pense que peut-être c'est un peu trop abstrait pour les personnes qui nous regardent. Donc, Yes. si on prend un exemple plus concret, une jeune femme qui vient te voir, qui, je ne sais pas, a une trentaine d'années et qui subit, on va dire, ses cycles, peut-être qu'elle est même en rébellion contre le fait d'avoir un cycle féminin. Soit irrégulier, soit régulier, enfin peu importe ce qui la chagrine, c'est que bon, c'est une corvée quoi, hein. Globalement, ça revient tous les mois et c'est pénible. C'est quoi ton rôle et qu'est-ce que tu vas lui permettre et qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Mais en fait, l'idée, ça va être de lui faire expérimenter ces différentes énergies. En fait, aujourd'hui, le cycle, souvent, comme tu le dis, c'est une galère, ce sont donc pendant plusieurs jours des règles, c'est inconfortable, on n'a plus la même liberté de mouvement, il faut penser à se protéger. On ne se sent pas forcément bien dans son corps à ce moment-là, on peut être voire même très très malade. Voilà, donc c'est plutôt vu pour beaucoup comme un handicap hein. Et uniquement en se disant le cycle, oui, bon, ok, c'est 3, 4, 5 jours, 7 jours pour les plus malchanceuses de règles, de douleurs. Mais non, le cycle ce n'est pas que ça, c'est la partie visible. Donc en fait, il y a quatre grandes phases. Et en fait, qui sont en fait déclenchés par l'ovulation. Voilà. Donc, si on ovule, qui est la période qu'on peut associer. Alors, j'aime bien utiliser les saisons, parce que c'est universellement connu, c'est facile, quatre phases. Et ça n'est pas idiot puisque c'est la nature hein, qui crée la vie en permanence. Et les cycles menstruels, c'est son objectif, hein, c'est de nous permettre de nous reproduire. Et donc, la phase de l'ovulation, c'est l'été, l'abondance. Après, donc, si on ovule, eh bien, la phase post-ovulatoire, c'est l'automne. Deuxième phase. La troisième, eh bien, c'est les règles, celle qui est la plus connue, la phase de l'hiver. Voilà. Et le printemps, c'est la phase post-règles. Et dans chacune de ces phases, eh bien, nos capacités, nos ressources évoluent.
Alors, nous sommes bien d'accord, hein, il ne s'agit pas de se créer de nouveaux handicaps ou de nouveaux. Nous sommes capables de tout faire à tout moment. D'ailleurs, je pense qu'on l'a démontré, ça fait suffisamment longtemps qu'on se bat pour une égalité de droit. Mais simplement, reconnaissons-le. En tout cas, c'est mon cas, c'est ce que j'expérimente et ce que beaucoup de femmes autour de moi expérimentent. C'est que, en fonction de ces phases, eh bien, nos besoins et nos énergies, nos capacités intellectuelles, on va dire, fluctuent. Alors, il n'y a pas celles qui sont bien ou mal, simplement elles évoluent. Et quand on le sait, quand on est en capacité d'anticiper, eh bien, ça change la vie, ça permet eh ben ça permet d'évoluer, de se transformer et d'avancer. Voilà. Et donc, pour cette femme qui vient te voir, tu lui apporterais du coup les connaissances par rapport à ces différentes phases. Pourquoi pas, enfin moi, tu sais quel est mon vocabulaire, donc du coup, que chaque phase a un super pouvoir qui Exactement, émerge. exactement, exactement. Et donc, tu vas lui apporter concrètement déjà une sorte de paix intérieure pour cesser la lutte contre ce cycle qui revient régulièrement, je pense, hein. Tu as pleinement raison. Il y a, en fait, la proposition, c'est d'abord tout simplement par j'allais dire, des jeux. C'est déjà de prendre conscience de ces différents types d'énergie. C'est de s'observer, en fait, de prendre conscience, et puis après Moi, ce qui a été pour moi le plus. Ça a été les deux plus grands, comment dirais-je, waouh de cette découverte, c'était un, de me dire, mais oui, bien sûr, mais comment je pouvais ne pas le voir? Parce que ça a plein d'impact dans plein de domaines. Aussi bien, pourquoi aujourd'hui j'ai envie de m'habiller en vert émeraude et pourquoi dans 2 jours j'aurais envie de mettre du marron, du kaki ou du noir, par exemple, ça peut être tout simplement ça. Pourquoi quand je vais avoir un dossier super complexe à traiter, il y a certains jours, je vais dire, ouais, super, génial, c'est passionnant, ça m'intéresse. Puis d'autres me se dire, oh, mais c'est pas possible, mais comment je vais y arriver dans le temps imparti? Pourquoi, à certains moments, j'ai besoin d'être en lien avec tous les gens que j'aime, j'ai besoin dialoguer ou construire. Écouter avec empathie mes collègues ou mes collaborateurs, c'est fluide. Et puis, à un autre moment, ça l'est beaucoup moins. Voilà. Ça a vraiment été de voir et non plus, donc, l'avantage de ne plus me flageller quand mes ressources n'étaient pas toutes là, présentes, comme la semaine dernière. Parce qu'en fait, étant un peu addict à la performance, mon cerveau, mon mental a bien topé quand je suis au top sur certains sujets, et donc je me disais là tu l'es plus là, donc bouge-toi, enfin voilà. Donc alors c'est anecdotique quand c'est sur quelques mois, mais quand c'est sur des plusieurs années, voire des dizaines d'années, c'est générateur de stress, voire de maladies, de burn-out. Voilà, donc c'est déjà comprendre comment on fonctionne. Et puis surtout, c'est qu'à partir du moment où on s'est observé et qu'on met de la conscience, on est beaucoup plus à l'écoute de ses besoins. Et quand on s'aperçoit qu'en les écoutant, ses besoins, et en ne les mettant pas un mouchoir dessus pour faire comme les collègues qui sont en général, enfin, moi dans mon expérience, plutôt masculin, et donc avec des besoins différents, et puis avec une norme, une culture. À laquelle j'ai cherché à m'adapter, à me fondre, je me suis oubliée progressivement.
Et je pense qu'on est toutes concernées par ça, plus ou moins. Et donc, de savoir quels étaient mes besoins et d'y répondre, d'être capable d'y répondre et de les prendre en compte, ça aussi, ça, c'est un formidable levier pour nourrir l'estime de soi, la confiance en soi et ainsi nourrir, être à l'écoute de ces... De ce que nous dit notre cœur. Alors, il y a deux autres choses. Moi, je trouve qu'on a, de mon expérience personnelle, qu'on a aussi à observer, que j'observe en tout cas avec mes cycles, c'est le rapport à l'alimentation qui va être complètement différent d'une période à une autre. Moi, je me suis vue dans des moments où je sortais de table, où j'avais mangé, je crois, c'était raclette et que j'avais encore faim, quoi. Et ça, c'était difficile. Enfin, je crois que j'étais ado quand j'avais fait cette découverte-là. Je trouvais ça curieux. Et la deuxième chose que je trouve très, pas handicapant, c'est pas le bon mot, mais déroutant, c'est notre état émotionnel qui est hyper fluctuant du coup et qui tantôt est hyper serein et tantôt va être hyper épidermique, on va dire. Et du coup, c'est vrai que ça peut être déroutant et facteur de stress aussi chez qui le subit en fait. Exactement, tu as tout à fait raison. En fait, alors déjà, le niveau de stress baisse quand on sait pourquoi et qu'on se dit que ça, finalement, ça ne va pas durer forcément longtemps. D'accord? Donc, par exemple, les états émotionnels dont tu parles sont par. Alors, on ne fonctionne pas tout exactement de la même façon. C'est pour ça que c'est très important de s'observer afin d'identifier, se découvrir soi-même. Mais les états émotionnels. En général, les plus denses sont avant les règles. D'ailleurs, bien souvent, ce qui nous vaut des remarques super, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as tes règles. Et qui, en fait, non, ne correspondent pas à la phase des règles, mais à la phase précédente. Et tout simplement, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on a globalement nos hormones, le taux d'hormones chute dans le sang. Nos hormones chutent, et en plus, avec des montagnes russes. Et donc, ce qui explique nos sauts d'humeur. Donc, ça peut être une phase où on va être. Un jour, on peut être battre un record sportif ou être extrêmement performante et efficace, et le lendemain, complètement démoralisée parce qu'on voit tout en noir. Et c'est lié à ces fluctuations hormonales. Donc, en fait. Et puis la phase qui va être la plus apaisée, où le stress va être le moins fort, c'est celle des règles. Où justement, à ce moment-là, les hormones sont à plat, au niveau le plus bas. Et donc, ce qui nous amène à considérer les choses avec plus de recul. Simplement, ça, ce type d'émotion, ça fonctionne. Enfin, c'est plutôt ce que je viens de décrire. Quand on est à l'écoute de nos besoins pendant les quatre phases. Mais si, comme moi, vous êtes plutôt working girl ou toujours en train de faire et il vous est difficile de vous poser, et de prendre du recul et de respirer et de lâcher prise, les situations de tension et de saut d'humeur, etc., peuvent être présentes tout le temps, en fait. Et dans ces cas-là, c'est le signe de déséquilibre, comme un cycle menstruel extrêmement douloureux. On nous a appris, ah, t'as mal au ventre, mais c'est normal, ça va passer. Et dans la légende populaire, la légende urbaine, enfin populaire, c'est souffrance et règles sont totalement associées. Or, quand les douleurs sont extrêmement présentes, sont très fortes, sont fortes. Et quand le cycle est irrégulier, c'est un facteur d'alerte. On a oublié qu'un cycle qui fluctue, enfin, qui n'est pas régulier et qui génère des souffrances, est une alerte sur notre état de santé. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question, Mathilde? Oui, tout à fait. J'ai plein d'autres questions, t'inquiète pas.
Est-ce que... Alors, première question, et puis je vais te donner les deux questions, puis après, t'en fais ce que tu veux. Première question, c'est, j'imagine que du coup, il y a des astuces peut-être pour traverser ces phases de manière plus sereine. Et du coup, ça, c'est à toi de répondre. Et la deuxième question, c'est, est-ce qu'il y a d'autres fausses croyances populaires qui existent autour des cycles menstruels dont tu voudrais nous parler ce soir? Oh, il y en a plein, il y en a beaucoup. En tout cas, une chose est sûre, c'est que plus je vais mettre de la conscience sur mon cycle, accueillir, être à l'écoute de mon corps et de ses besoins, plus la situation s'améliore. Je m'explique. En tout cas, c'est le témoignage de nombreuses femmes. De nombreuses femmes. Je ne sais pas si tu sais, mais Gaëlle Baldassari organise des sommets hein, autour du cycle féminin. Sur les moyens contraceptifs, sur le prochain, sur la préménopause et ménopause. Il y en a eu un sur le désir d'enfant, un sur les difficultés de procréer, un sur le syndrome prémenstruel, où de nombreux spécialistes, médecins, naturopathes, coachs interviennent pour apporter leurs connaissances et le témoignage de femmes. Et en fait, d'une manière générale, ce qu'on constate, c'est que les femmes qui se mettent à observer leur cycle qui vont dans le respect de ce cycle, de leur cycle, eh bien, voient ce cycle se réguler, les douleurs diminuer. Voilà. C'est pourquoi faire alliance avec lui est très important. Par rapport à ta deuxième question, il y a énormément de fausses croyances. La première, par exemple, c'est que, enfin, en tout cas, moi, c'était mon cas, on m'a appris qu'un cycle normal, c'était 28 jours, et que donc, quand on s'écartait ces 28 jours, nous étions anormales. En fait, 13% des femmes ont un cycle de 28 jours. Un cycle peut fluctuer entre 24-25 jours jusqu'à 30, plus de 30 jours, 32-33 jours. Voilà, donc ça c'est la première. Tu n'es pas anormal si ton cycle dure plus de 30 jours, par exemple. Je Et dirais pas donc, le pas mien alors. besoin de. Voilà. En fait. L'autre croyant, alors il y a plein d'autres croyances. On a la croyance que, alors qui est aujourd'hui combattue, mais pendant longtemps, la croyance a été que prendre la pilule était sans effet secondaire. Alors, mon propos n'est pas du tout d'être contre la pilule, hein. La pilule a représenté une grande avancée pour nous toutes. Simplement, je dirais que ce qui a manqué, c'est la transparence et une information complète. Et surtout, un usage de plus en plus détourné de la pilule. Je m'explique. La pilule, alors il existe différentes formes de pilules, mais nous permet de vivre une vie sexuelle plus librement et c'est très bien. Simplement, par exemple, on nous fait croire que pour les pilules qui permettent de maintenir des règles, on nous fait croire que ce sont des règles. Et donc, on a peut-être le sentiment de préserver le fonctionnement physiologique de notre cycle. Or, ça n'est pas vrai. Les règles qui arrivent quand on est sous pilule progestative, eh bien, c'est uniquement le fait que tout à coup, les progestatifs que l'on prend baissent dans le sang et ce qui provoque ce qu'on appelle des règles, je crois que c'est de confiscation, mais ce ne sont pas des règles. Voilà, c'est
Donc ça, c'est une croyance. Une autre croyance, c'est que, et entretenue par les médecins, c'est que une jeune femme ou une jeune fille vient voir un médecin parce que son cycle est irrégulier, parce qu'elle a des règles peu fréquemment, voire pas du tout, enfin, en tout cas de façon irrégulière, bien souvent, la réponse va être, eh bien, écoutez, on va vous donner la pilule, ça va vous réguler votre cycle. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça ne vient rien réguler du tout. Ça masque le fait que si ton cycle est irrégulier, c'est qu'il y a un problème de santé plus profond. Et ça ne fait que reculer le problème, voire l'aggraver si la prise de pilule dure longtemps, par exemple. Par exemple, on pense que l'autre croyance, c'est qu'une jeune femme qui n'a pas eu de rapport, qui n'a pas encore eu d'enfant, pardon, qui n'a pas encore eu d'enfant, ne peut pas avoir un contraceptif sous forme de par un stérilet de cuivre, par exemple, enfin un stérilet. Alors que ça n'est pas vrai, il existe des stérilets de plusieurs formes, de différentes tailles. Et on peut tout à fait bénéficier de ce moyen contraceptif sans avoir eu d'enfant. Et donc, eh bien, donc maintenir son cycle si l'idée d'avoir un corps étranger dans son corps ne nous gêne pas. Voilà. Donc, il existe plein de croyances comme quand on souffre beaucoup pendant ses règles, c'est parce qu'on est douillette et qu'on s'écoute trop. Ben non, non. Le niveau de douleur de certaines femmes pendant les règles sont très très importantes. Elles sont de mieux en mieux reconnues, mais pas encore suffisamment, et sont bien souvent le signe d'une pathologie. Voilà. Bon, je pourrais sans doute t'en donner l'autre croyance, mais et celle que je combats qui est plus large sur un cycle normal, c'est que l'autre croyance, c'est que le cycle menstruel n'est qu'une somme d'inconvénients, alors que, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est une somme de super pouvoirs. Il suffit simplement de savoir, de pouvoir y mettre de la conscience et apprendre et ensuite, eh bien, prendre appui sur ce cycle pour avancer. Alors, je te rassure, j'ai encore d'autres questions quand même. Alors, je te rejoins complètement hein, par rapport aux fausses idées parce que je les ai eues, ces fausses idées. Notamment, alors moi, j'ai eu la pilule contraceptive très jeune, mais pas pour la sexualité, pas du tout. C'était pour régler un problème hormonal, puisque j'avais un dérèglement hormonal avec trop de testostérone dans le sang et du coup une hyperpilosité qui en découlait. Et je n'avais pas été voir gynécologue, c'est l'endocrinologue qui me l'a prescrite. Donc ça a commencé comme ça. Et puis, c'était en 2016, j'ai arrêté la pilule contraceptive pour un désir d'enfant et plus de règles. Et là, je ne comprenais pas. Je me dis, ouais, c'est cool, je suis déjà enceinte. Et que dalle. Et là, j'ai découvert que j'avais des cycles hyper irréguliers, puisque bah, déjà après l'arrêt de la pilule, je suis allée jusqu'à 8 mois sans règles. Là, tu vois, comme je te le dis pas, ben, voilà, ça fait depuis le mois de mai que je n'ai pas eu mes règles. Donc c'est vrai que on a diagnostiqué aujourd'hui un syndrome des ovaires polykystiques, mais jusqu'ici, ça n'était pas diagnostiqué parce que c'est un autre professionnel qu'une gynécologue qui m'a prescrit la pilule. Et je l'en remercie quand même hein, parce que ça a traité le problème que j'avais. Mais néanmoins, c'était pas l'utilité première de cette pilule contraceptive. Et donc, c'est vrai que des fausses idées, on s'en fait plein par rapport à ça. Et c'est moi, j'ai rarement aimé avoir mes règles parce que la première fois que je les ai eues, c'était chez ma grand-mère. Ma grand-mère m'a disputée. La première réaction qu'elle a eue, ça a été de me dire que j'exagérais, que j'aurais pu faire ça ailleurs. Et ça a engrammé un truc en moi, comme quoi c'était quelque chose de sale et que c'était pas bien, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à
me réallier, me remettre en alliance avec moi-même par rapport à cette part-là. Et je trouve ça, je pense pas être la seule à avoir vécu quelque chose de similaire. J'en ai discuté avec d'autres amis. Et c'est vrai que il est temps aujourd'hui qu'on pacifie la relation avec les cycles menstruels des femmes, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, parce que ce n'est pas que un job de femme. Je pense que c'est important de le signaler. Et j'adore en fait, j'ai une amie qui est maman solo et qui a expliqué de manière magistrale, je trouve, les règles à sa fille de 7 ans en lui disant que c'était des lunes magiques. Et je trouve ça bien parce que la petite, du coup, elle va engrammer quelque chose de positif. Et je pense pas qu'elle attend que ça. Mais en tout cas, le jour où ça viendra, elle n'en aura pas peur. Et moi, quand je les ai eues, je ne savais pas du tout ce que c'était en plus. C'était encore quelque chose de tabou. Et heureusement que les mœurs changent grâce à des personnes comme toi, comme Gaëlle ou comme Miranda Gray, parce que bah, il est temps en fait, c'est quelque chose de naturel, il est temps qu'on accepte que l'on est qui l'on est en fait. Exactement, exactement. Alors, tu as raison. Donc, il y a ce tabou qui est combattu, hein, de plus en plus, mais qui n'est pas encore partagé. Enfin, qui reste encore à combattre. Il y a le fait très important d'accompagner les toutes jeunes filles et de faire de ce moment des premières règles quelque chose de un moment joyeux, honoré, accompagné, et surtout avec un accompagnement positif. Parce que quand on lit certains livres, alors je ne sais plus lesquels, mais parce que j'en ai lu pas mal, d'auteurs, enfin de femmes qui ont interviewé d'autres femmes qui parlent de leur première règle. Et là, ton exemple, ton histoire est monnaie courante. Enfin, c'est vraiment donc des jeunes filles qui abordent ça sans connaissance, donc qui sont effrayées, qui, compte tenu du tabou, n'osent pas en parler. Enfin, bon, il y a tout un ensemble de choses qui vraiment ont concouru à cette situation. Donc, je pense que donc en parler naturellement, rappeler et en avoir une vision positive, en fait, c'est ça, c'est porter un regard positif et surtout communiquer sur les pouvoirs magiques, parce que souvent, ben, en fait, on l'a un peu abordé tout à l'heure, les règles, donc effectivement, qui normalement sont avec un inconfort, mais pas de douleur majeure. S'il y a des douleurs, c'est qu'il y a un problème de santé plus profond. Eh bien, c'est un moment où nous avons des capacités de prise de recul, des capacités de méditation, de connexion à plus grand que soi, qui sont beaucoup plus importantes, et une phase où le stress est beaucoup plus bas, normalement. Voilà, donc c'est un super moment. Alors, bien souvent, on ne retient que le fait qu'à ce moment-là, on est en énergie basse, notre niveau d'énergie a beaucoup baissé et on a besoin de ralentir, et c'est ça qu'on a du mal à accepter. Mais une fois qu'on l'a accepté, qu'on est, alors ça ne veut pas dire si on est très très actif, très sportif ou très, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Mais déjà, c'est changer de rythme. Ça va dépendre de ce que l'on est, de notre niveau d'énergie habituel. Mais c'est alléger son emploi du temps, c'est faire peut-être des choses, enfin voilà, alléger son agenda, faire moins de sport, pas se flageller parce que bah non, cette semaine, pas se forcer à se faire son jogging, son je ne sais quoi, ou la sortie avec les copines ou avec les enfants et le mari, la sortie vélo, parce que c'est le week-end. Bah, voilà, c'est intégrer ça dans son agenda. Et ça va être un moment propice pour faire
le bilan du mois écoulé, qu'est-ce qui a été juste pour moi. Là, il y a ce moment-là qui a été très dur, pourquoi? Avoir les réponses à ça. Et de se dire, bah, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je vais faire dans les semaines qui viennent, dans les 4 prochaines semaines? Quels sont dans mes grands projets de vie? Est-ce que c'est toujours juste pour moi d'avoir cet objectif? Quand on réfléchit un peu sur ces projets, quand on fait un peu de développement personnel, on apprend à voir que les objectifs s'ajustent en fonction du moment, en fonction de qui on est dans le moment. Donc voilà, donc la période des règles, ça va être un moment formidable pour ça. Alors, il y a quelque chose qui me vient, parce qu'il y en a peut-être plein qui nous écoutent en se disant, mais de toute façon, moi, j'ai pas de cycle, comme ça a pu être ton cas, ou ça peut être ton cas en ce moment. J'ai plus de règles parce que je suis ménopausée. J'ai plus d'utérus, donc j'ai plus de règles, a priori pas de cycle. Ou je suis un homme, et donc tout ça, ça m'a. Ça, voilà. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être intéressant pour transmettre à une amie, à sa fille, à sa mère, voilà, plein de gens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas que l'énergie du cycle menstruel. Il y a aussi les énergies du cycle lunaire, par exemple, et du cycle des saisons, qui ont un impact sur nous, et pour lesquelles le principe est le même, c'est-à-dire que si on est à l'écoute et si on les intègre dans notre vie, eh bien, ça permet de. Mais ça fluidifie les choses, ça permet de mieux prendre soin de soi et des autres. Et pour ma propre expérience, puisque moi aujourd'hui je suis ménopausée, eh bien, je connais toujours ces fluctuations cycliques. Et ces fluctuations sont. Ces fluctuations d'énergie, et ces énergies évoluent en fonction de la Lune. Donc pour moi, l'ovulation, c'est la pleine Lune. Et régulièrement, c'est la période où j'ai besoin d'être en lien avec les gens que j'aime. J'ai besoin de communiquer, où je vais communiquer pour pluriel ou pour plus facilement. C'est là où quand j'ai quelque chose de compliqué à dire à quelqu'un et où j'ai besoin d'être à son écoute, ben c'est là où je vais avoir des ressources d'empathie les plus fortes. Donc, je vais essayer de le faire à ce moment-là. Et quand c'est la lune sombre, la lune noire, ben c'est là où mon énergie baisse, où j'ai besoin de me poser. Et c'est le moment où je vais me poser les questions que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui a été juste pour moi? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je renouvelle? Comment j'envisage d'agir dans les semaines qui viennent? Je prends des décisions, mais je n'agis pas forcément tout de suite. Je ne m'arrête pas, hein, on est bien d'accord. Je continue mes activités, mais je les pratique un peu différemment et j'allège mon agenda. Alors, c'est super intéressant ce que tu racontes. Du coup, tu vas être en pleine forme pour le pouvoir d'être soi puisqu'on sera en pleine lune. Yes, Et pas fait exactement. exprès, pleine lune, équinoxe, tout va bien. En tout On va cas, prendre cher. parce que ce cycle est aussi. Est-ce que tu sais, attends, Mathilde, est-ce que tu sais que c'est une étude scientifique hein, qui dit que 24% des hommes se déclarent ressentir des énergies cycliques. Non, Et je ne le savais pas. donc voilà. Et donc c'est un quart, ce qui est quand même assez fou. Et donc, ben, peut-être que pour eux aussi, la pleine lune, par exemple, un moment où il y a
voilà, où ils ressentent plus d'empathie, plus d'ouverture aux autres. Et en tout cas, par exemple, pour l'événement Le pouvoir d'être soi, on sera tous dans cette, on aura quelque part tous cette énergie, cette ouverture qui sera là pour mieux échanger, mieux partager. Le hasard fait toujours bien les choses. Alors moi, je sais que quand je travaillais à l'hôpital, on n'apprécie pas trop les soirs de pleine lune, parce que déjà, moi, quand je travaillais en service de personnes âgées, en pleine lune, ils sont beaucoup plus désorientés qu'habituellement. Et ensuite, au niveau D'accord. des urgences, les personnes sont beaucoup plus agressives parce que beaucoup plus hautes en énergie, et peut-être qu'ils passent de la tristesse à l'agressivité. Au lieu d'un état neutre à la joie, enfin voilà, c'est un surplus d'énergie, ils savent pas quoi en faire et du coup c'est compliqué pour les urgences et c'est aussi les nuits où il y a le plus d'accouchements aussi. C'est assez intéressant de voir à quel point ça impacte là-dessus. J'avais une dernière question Ouais, je suis pour toi. complètement d'accord. J'avais une dernière question pour toi, c'était tu parlais justement d'aménager son emploi du temps. Par rapport à ces cycles. Mais alors quand on est entrepreneur, c'est quand même un peu plus facile, je pense. Mais quand on est salarié, comment on arrive, pas forcément à imposer notre rythme, mais à s'accorder, on va dire, le droit de ne pas être à 100% et d'accepter peut-être la critique qui pourrait venir des supérieurs, des collègues ou autres. Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Mais en fait, alors c'est plus facile quand une relation de confiance s'établit, puisqu'en fait, il va y avoir les moments si je prends mon exemple et ton exemple, tu vas être capable de descendre des to-do list et d'avoir une productivité forte, et des moments où ce sera plus difficile. Donc, en fait, dans mon cas, si besoin, si par exemple je vais tenter d'obtenir des délais, je vais par exemple, si j'ai une échéance très importante dans un délai très court, si elle est négociable, je vais la négocier. Mais en disant, ne t'inquiète pas, de toute façon, à cette période, ce sera fait. Mes conclusions ou tel projet aura été fait ou mené. Et puis après, il y a tout ce qui n'est absolument pas reportable, eh bien, je l'assume. Et à ce moment-là, je sais que ça va être plus difficile et c'est important pour moi à ce moment-là d'avoir un peu allégé mon agenda personnel. Donc, moins de sport. Moi, j'ai besoin de bouger. Ben, je vais choisir. Je vais pas forcément ne pas bouger, mais je vais faire quelque chose qui me demande moins d'énergie, que je pourrais peut-être mener plus en douceur. Éventuellement, je vais pas faire de footing et puis privilégier de danser. Et puis, si je danse, ben, je vais mettre moins d'énergie. Je vais à la maison, je vais plus déléguer. Il y a dans ma to-do list que j'ai dit je dois, je dois, je dois, j'allège le je dois. Parce qu'il y a plein de choses en fait dont on se rend compte dont on peut se passer ou qu'on peut faire la semaine suivante. Voilà. Donc, Ça me fait penser à un reel que j'ai fait sur Instagram la semaine dernière où je parlais qu'il y avait trois listes qui existaient pour s'organiser. La to-be list, qui est la première, je pense, importante à mettre en place. La to-do list, celle qu'on connaît. Et puis, il y a la liste dont on n'a pas conscience, mais qu'on devrait mettre en place, c'est la to-fuck list, pour mettre tout ce qui finalement nous surcharge l'esprit et ne sert à rien à part nous enquiquiner la tête et nous empêcher d'être performants. D'ailleurs, quand tu parles de performance, ça nous empêche d'être performants et cette liste, je pense qu'elle mériterait d'exister. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de la période des règles pour faire des choix importants ou dire qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, par exemple,
trier, structurer, c'est super dans la phase du printemps, c'est-à-dire après les règles. Là, on a un esprit logique très, très une clarté qui permet de, par exemple, de répartir les choses entre les trois listes que tu proposes. Après, quand on a un problème d'alléger les listes, ben, c'est bien de le faire avant les règles. Parce que là, c'est du tri, mais poubelle. Donc, quand on a du mal à trier et on se dit ah non, ça, non, non, ben non, ça, faut quand même que je le garde, que ce soit une action à mener ou le truc qu'on garde depuis 10 ans dans le placard qui encombre, ben c'est. On veut faire de la place, et eh bien c'est plutôt des activités à organiser avant ces règles, entre l'ovulation et les règles. Là, on est très forte pour jeter, alléger. J'ai pas dû avoir cette phase-là. Moi, je garde tout au cas où ça peut servir, tu comprends? Du coup, Carole, on te retrouve le jeudi 23 septembre après-midi où tu vas nous offrir une magnifique performance de 2 heures où tu vas nous en apprendre bien plus et beaucoup, beaucoup plus précisément au groupe qui sera présent au pouvoir d'être soi. Que nous soyons en ligne ou que nous soyons à Ronces-les-Bains tous ensemble. D'ailleurs, tu seras avec nous à Ronces-les-Bains et ça va être juste énorme de pouvoir se rencontrer en vrai, Merci. en physique, pouvoir poser toutes les questions qu'on a envie de te poser autour de ce sujet qui est super intéressant sur les cycles féminins et comment on l'intègre dans notre quotidien, puisque finalement c'est aussi ça, et comment on en fait un super pouvoir, puis c'est aussi le thème. Si je dis pas de bêtises, Yes. c'est bien Tout à ça? fait. Ouais. Tout à fait. Donc, si vous avez envie de venir et de découvrir Carole et son univers, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de découvrir l'univers des... Rejoignez-nous. Mais oui, si vous avez envie de découvrir l'univers des autres personnes, vous êtes aussi les bienvenus. Attention, pour la version all inclusive à Ronces-les-Bains, il ne reste plus que 7 places à prendre. Donc all inclusive, ça veut dire qu'on mange sur place, on dort sur place, on fait tout sur place, on a accès à la piscine aussi si on a envie d'en profiter. J'aime bien mettre l'accès piscine, même si dans le fond, c'est pas le but du tout. Le but, c'est de profiter des intervenants qui seront présents, dont tu fais partie, dont d'autres personnes font partie et qu'on a vu en interview à la fois sur Instagram et à la fois les vidéos qui sont parties sur la page, puisqu'on a déjà vu donc Stéphanie est déjà passée en interview, Stéphanie François, révélatrice de la lumière des femmes. On a déjà vu Yannick Alain, qui est le pouvoir de la gentillesse vraiment incarnée. On a vu Sabine, la popeuse de Life Heureuse, qui est une slasheuse, mais surtout qui a un slogan qui est super intéressant, qui dit la vie c'est pas sérieux, la vie c'est joyeux. Et elle va nous reconnecter avec le pouvoir intérieur de notre corps physique. Il y a toi. Et puis demain, il va y avoir Daphné qui va passer. Daphné qui est une astrologue humaniste et qui va avoir le plaisir de se présenter ici à 18h pour pouvoir répondre à vos questions et puis que vous fassiez connaissance avec cette femme extraordinairement paisible, réconfortante et d'une sagesse incroyable. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez aussi me contacter ou contacter peut-être Carole qui me repassera les informations ou d'autres personnes. Et on sera un plaisir de vous accueillir, de vous y retrouver, de pouvoir s'amuser ensemble parce que la vie, c'est pas sérieux, bien sûr. Et surtout d'aller venir à la conquête. Non, pas la conquête. On va venir chercher un trésor à l'intérieur de vous et vous allez le voir, vous allez le sentir et vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie pour enfin créer la vie que vous désirez, une vie qui vous ressemble et pas une vie qui ressemble à ce que la société voudrait qu'elle soit pour que vous vous sentiez pleinement épanoui dans cette même vie. Merci beaucoup, Carole, pour ta participation ce soir. Je t'en prie, merci Mathilde. Ben, rejoignez-nous. À très vite. Merci à tous, je vous souhaite une Ciao. très bonne soirée et à très bientôt.